jour, j'ai découvert que les légumes n'existaient pas. Par exemple, le haricot, la tomate, le melon, tout ça, c'est des fruits. La cerise, voilà. Donc c'est l'histoire du sort de bourgeon. Et après, il y a une fleur, il y a une abeille. Voilà, les petits bisous, les machins, le pollen, je sais pas quoi. Et hop, ça fait un fruit avec des graines qui font des voilà. Donc les haricots, c'est ça, les fraises, c'est ça, c'est vrai, j'ai raison. Donc les légumes, en science, ça n'existe pas. Donc les légumes n'existent pas, tout est fruit. Voilà. Et là, par exemple, il y a un... Qu'est-ce que c'est que c'est là un figuier, il y a un figuier. Et alors le figuier c'est très marrant parce qu'en fait il n'y a pas de fleur de figuier. Vous n'avez jamais vu des fleurs de figuier. Parce que la fleur, elle est dedans le fruit. Et qu'est-ce qu'il y a aussi dedans le fruit? La guêpe qui a pollinisé la fleur, elle est dedans le fruit. Et donc quand on mange une figue, on mange une fleur et une guêpe qui est abîmée par les... Comment ça s'appelle? Les sucs. C'est des sucs. Il y a des sucs. Donc on peut pas la... Donc c'est l'hymne des fruits. On fait la chanson des fruits. Je remets les fruits. C'est 3, 4, oui, j'aime. J'ai oublié d'enlever le... 3, 4, oui, j'aime beaucoup les fruits. C'est le nectar de la vie. Oui, j'aime beaucoup les fruits, j'en ai jusque dans...